aujourd'hui Nice mérite de gagner. Là, on est venu la saison dernière, on était très frustrés du résultat et de la tournure du match. Aujourd'hui, Nice mérite de gagner. Nice mérite de gagner parce qu'on a une fois de plus fait... On s'est une fois de plus mis deux grosses épines dans le pied en début de match et en début de seconde période. Et oui, ok, c'est bien l'état d'esprit pour revenir, c'est bien de ne pas lâcher, c'est bien. Mais bon, on ne gagnera pas des points si on part avec des handicaps à chaque fois, à chaque journée, à chaque début de période. Donc, 1 minute 30, 1-0, 49e, 3-0. Oui, je sais, j'ai écouté mon collègue qui disait qu'il a eu chaud 20 minutes. Moi, j'aimerais bien que je donne chaud à mes collègues plus que 20 minutes. Donc, c'était insuffisant aujourd'hui. Le plan de jeu, il change. Il change au bout d'une minute. Les joueurs ne doivent pas non plus, et c'est le danger, parce qu'à l'arrivée, on est à l'OGC Nice, on en prend 3 buts, et 2 de ces 3 buts viennent sur des situations de contre. Donc, on se fait contrer à 2 reprises à Nice, à l'extérieur. Donc ce sont des situations qui peuvent arriver si on fait aussi n'importe quoi, mais ce que vous dites, je l'aurais dit à la mi-temps, de pas avoir de regrets. Moi, des regrets, j'en ai beaucoup sur cette première période, j'en ai beaucoup sur les entames, et il va falloir que l'on corrige ça rapidement, parce qu'aller chercher des points avec des handicaps, On l'a fait à plusieurs reprises, mais il va falloir qu'on change de façon de faire. C'est un des points positifs. Voyons l'aspect positif. C'est Xavier qui marque le premier, Chavalerin. Donc ce sont à nouveau deux entrants en jeu qui amènent des buts. Je crois que c'est la 6e fois qu'à 3, on a des entrants qui amènent quelque chose. Donc c'est déjà qu'ils sont prêts, déjà qu'ils ont l'état d'esprit pour apporter quelque chose à l'équipe. Ça, c'est un plus. Qu'est-ce qui manque, c'est de ne pas en avoir 3 de retard. Je veux dire, on est à l'OGC Nice, en toute humilité, on est 3, il y a Nice en face, pas le même budget. Et quand on a 3 buts de retard, voilà, il n'y a pas une histoire de rentrant ou pas rentrant. Enfin, même 20 minutes, ça ne suffira pas. Il faut qu'on reste, qu'on soit dans le match et qu'on reste dans le match beaucoup plus longtemps le long de la partie. Les 3 buts qu'on encaisse, 2 situations de contre et un coup de pied arrêté. Donc c'est pas dans l'attaque placée, c'est pas sur cette situation-là. C'est pas ces situations-là qui nous ont mis en danger. Ils ont pu apporter du surnombre, et notamment aussi avec leur deux milieux défensifs. Mais c'est pas ces situations-là qui nous ont mis en danger cet après-midi. Je pense qu'on s'est un peu mis en danger tout seul. C'est surtout ça qu'il va falloir corriger.